Selon une recherche, l'allaitement pourrait prévenir 72% des admissions pour diarrhée et 57% des selles pour infections respiratoires chez les enfants dans le monde. On estime que l'allaitement réduit le risque de surpoids et d'obésité d'environ 10% par rapport à l'alimentation au biberon. L'allaitement maternel est l'un des meilleurs investissements dans la santé. Chaque dollar investi dans l'allaitement maternel génère 35$ de retombées économiques. Si la durée d'allaitement est raccourcie, cela peut amener une perte de 2,6 points du quotient intellectuel. Chaque année, les pratiques optimales d'allaitement au Burkina Faso permettent de sauver 3408 vies d'enfants, une contribution importante à la réduction de la mortalité des enfants de moins de 5 ans, prévenir 56 décès maternels dus au cancer et au diabète de type 2, faire économiser au système de santé plus de 1,6 million de dollars des coûts de traitement liés à un allaitement inadéquat, rapporter à l'économie presque 200 millions de dollars, soit 1,7% du RNB, revenu national brut, à travers l'amélioration des capacités cognitives des enfants, la prévention d'une mortalité précoce et la réduction du risque de mortalité maternelle, et de réduire les dépenses des familles liées au traitement de la diarrhée et de la pneumonie. Pour chaque enfant, une bonne nutrition.